de Domor, pour le repos de leurs âmes, pour leur salut, pour que le sacrifice de leur vie soit accepté par Dieu avec les souffrances de Jésus. Néanmoins, il faut prier également pour tous ceux qui ont perpétré ce crime, parce qu'ils sont eux aussi victimes des mensonges de l'ennemi du gendre.